précisément la carte de Washington. Balobi maman mardi né. Maman mardi né. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. Il y a un Congolais, on a dit que les Congolais ont Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Vous allez, comme on l'avait annoncé, nous recevons aujourd'hui pour la première fois le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poyi. Pourquoi on le reçoit d'abord? Il faut rappeler que non seulement qu'il est dépositaire de la connaissance en matière économique, en matière de fiscalité, en matière de développement, en matière de gouvernance aujourd'hui, il est président de l'Assemblée provinciale. Autrefois, c'était un conférencier, pasteur, il parlait, il annonçait, mais là, on va maintenant le traiter en fonction de sa mission et surtout de son exercice. Ça fait plus de 15 mois qu'il est à la tête de l'Assemblée provinciale. On va essayer de voir un peu, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on vous dit de lui? Et nous avons répertorié plus de 116 questions que nous avons regroupées en 10 ou 16 que vous allez certainement suivre. Et si jamais on n'a pas toujours vos questions, ne vous en faites pas, le pasteur est toujours disponible pour répondre aux questions. Pasteur Godin Poyi, bonjour. Bonjour mon ami Christian. Alors, je dois rappeler qu'au-delà de vos diplômes conventionnels, vous en alignez comme ça plusieurs dans le domaine de développement, dans le domaine de leadership, dans le domaine de l'économie, des finances. À un moment donné, on a envie de se dire, mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Bon, vous savez, dans la vie, il faut toujours apprendre à se remettre en cause. Mon petit cursus indique que j'ai évolué dans un environnement concurrentiel. Mais c'est pas un petit cursus, 15 diplômes, oui, c'est pas petit. Oui, j'ai évolué dans un environnement concurrentiel, donc je suis consultant aux Nations Unies, je suis collaborateur scientifique à l'Université de Liège. Au-delà des enseignements que j'assume à l'Université de Kinshasa et l'IEC. À l'IEC et tout ça. Alors, on évolue dans un environnement tellement concurrentiel qu'il fallait de temps en temps, quand j'avais encore votre âge, développer l'artillerie lourde pour demeurer compétitif. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que 10 ans dans le temps, avez-vous ça comme idée, que vous deviendrez président de l'Assemblée provinciale un jour? Non. Au départ, je n'avais pas l'envie de faire de la politique parce que j'étais cabré dans ma fonction de douanier. Je suis douanier de formation et de fonction. Donc, j'ai fait 25 ans à la douane congolaise, au point de devenir même le conseiller du très regretté Rugwiza Magera, qui était d'heureuse mémoire, qui était le DG des douanes. Je ne voyais pas comment je pouvais quitter la douane pour faire de la politique. Je pensais qu'en allumant des conférences, on pouvait essayer de créer une certaine conscience collective. Mais lorsque nous arrivons en 2018, j'avais eu comme l'impression que le meilleur profil n'était pas un atout en République démocratique du Congo. Ah, ça c'est très important, le meilleur profil n'est pas un atout en République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, j'ai compris que lorsque vous n'êtes que dans la technostructure ou dans la ligne hiérarchique, vous ne pouvez pas valablement servir votre pays. Et donc, vous faites la politique. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais et il y a beaucoup de profs au Congo, ça ne change pas. Il n'y en a même pas beaucoup, c'est tout au plus 3000. Et les profs qui sont dans les sérails étatiques ne sont pas vraiment les top managers.
C'est à ce moment-là qu'en 2018, que j'avais levé l'option. En fait, j'étais à une conférence d'une organisation internationale. J'étais interpellé par l'ancien président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'honorable Tokambali Jean-Luc, que je salue en passant. Oui. C'est lui qui va me dire maintenant, au lieu de continuer à parler, il faut entrer dans le feu de l'action. Oui. Donc c'est lui qui m'avait intéressé. Et ce qui est, j'ai pris goût. Ce qui est avantageux pour vous, je ne sais pas si on va l'appeler chance, opportunité, vous devenez pour la première fois député et directement président d'une chambre. Alors, mais ça, c'est une carrière de vie des gens. Il y en a qui ont fait 25 ans pour devenir président d'une chambre, mais vous, en un coup, député, directement président de l'Assemblée. C'est pourquoi ça nous attire beaucoup de méchanceté. Mais bien évidemment. Et surtout gratuitement par jalousie. Oui. Donc, C'est un peu cela. Alors, on va aller dans des questions maintenant chaudes et brûlantes même. Mmh. Et vous êtes quelqu'un de libre d'esprit, on en parle. Mmh. Comment on retrouve un pasteur, un technocrate, un professeur, un universitaire de votre trempe au FCC qui est considéré comme un parti ou une plateforme qui a meurtri ce peuple pendant 20 ans? Merci beaucoup. Je suis fier d'être FCC aujourd'hui, mais les gens doivent savoir comment je le suis devenu. D'accord. Donc, je le suis devenu après les élections. Et pourquoi j'avais accepté de porter le maillot du FCC? Parce que j'avais m'étais rendu compte que le président honoraire, le Raïs, notre autorité morale, avait besoin de 15 personnes. Et j'avais estimé que, n'ayant pas combattu dans l'opposition, je devais compléter la liste des 15 pour faire avancer le pays. Et puis si vous remarquez aujourd'hui, vous aurez compris que des bons comme des mauvais, il y en a partout. Les procès qu'on a eu ici, ceux qui ont été arrêtés n'étaient pas forcément les gens du FCC. C'est pour vous dire qu'au FCC, il y a des gens bien. Qui n'ont pas encore été arrêtés. Il y a aussi des gens mauvais, mais ces hommes bien, dont je parle de l'homme avec grand H, dont la femme est dedans, ces hommes bien et mauvais, il y en a aussi dans l'opposition comme dans la société civile. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui vaut, c'est l'homme qui est devant vous. Ce ne sont pas tellement des regroupements économiques. Mais il y a deux sous-questions pour passer. La première, c'est que vous avez longtemps à Kinshasa prêché la bonne gouvernance, ce qui était l'antipode de la gestion des Kabila, enfin de la Kabylie, on va dire. Vous avez prêché le retraçage, si vous voulez, la bonne canalisation de recettes de la République. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et vous avez fustigé certains antivaleurs que vous avez estimés à l'époque. C'était des antivaleurs qui dérangeaient le pays. Mais à partir de quel moment vous acceptez de faire, d'être membre de cette plateforme que vous avez tant accusée? Ça, c'est la première manche de la question. Et la deuxième, c'est... Aujourd'hui, vous avez été en France, vous avez été dans beaucoup de pays européens, dans le monde. Est-ce que vous avez déjà entendu autorité morale? Et comment aujourd'hui, vous qui avez plus de 15 diplômes, vous appelez quelqu'un qui n'a même pas votre niveau académique ou intellectuel, vous l'appelez autorité morale? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Bon, je voulais d'abord apporter une précision que lorsque je m'attaque aux antivaleurs, parce que je l'ai fait jusqu'à ce jour, donc vous m'avez suivi, m'attaquer aux pasteurs qui prennent des femmes. Oui. Hein? Ce n'est pas destiné seulement à un seul regroupement politique ou un seul regroupement spirituel. Donc, lorsque nous prêchons, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu nous a allés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, à l'époque, parce que je l'ai fait jusqu'à ce jour, quand je prêche contre les anti-valeurs, ce n'est pas que je m'adressais seulement à la majorité présidentielle. Non, je m'adressais à tout le monde. Et aujourd'hui, les faits sont en train de démontrer que les abîmés, il y en a partout. Et l'autorité morale à part ça, non. La politique, moi, comme vous l'avez dit, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai quand même un léger avantage, c'est d'avoir écrit pratiquement des thèses de doctorat et un post-doc, donc ça peut faire trois. Et l'une de mes thèses, je l'ai faite en sciences politiques. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un léger avantage, sans avoir la prétention d'être les premiers de la salle. Donc j'ai eu l'avantage d'étudier la politique.
Et au-delà de tout ce qu'on peut raconter, la politique est par essence un rapport de force. Donc, il ne faut pas rêver. Et il faut savoir que lorsque vous trouvez dans un pays où Dieu donne à quelqu'un un pouvoir qui est accepté par plusieurs personnes, il n'est pas interdit de l'appeler autorité morale. Donc, c'est Dieu, le pouvoir vient de Dieu. C'est vrai, le savoir, nous pouvons... Et puis, ce n'est pas toujours évident qu'on est plus intelligent que les autres. Lorsque vous voyez dans un pays de 80 millions d'habitants, Dieu faire d'un homme chef de l'État, pendant 32 ans, comme a été le maréchal Mobutu, pendant environ 4 ans, comme l'a été Musée, pendant 18 ans, comme l'a été Raïs, et pendant plus d'une année aujourd'hui, comme les Fatih, le président de la République et notre peuple appelle Fatih Béton, c'est-à-dire que c'est Dieu qui élève ces gens-là. C'est ainsi que lorsque Dieu élève quelqu'un et qu'il a son pouvoir, il n'est pas interdit de faire comme Joseph. Joseph en Égypte, il avait les savoirs, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et comme Dieu ne donne pas tout aux enfants des hommes, il faut que les gens puissent se compléter. Et vous avez accepté d'être dans le camp de Raïs. Oui, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte. Mais seulement la précision, c'est que vous voyez, nous sommes dans un environnement du faux, où les gens pensent que mentir, c'est une vertu. Ce n'est pas comme on dit que quand j'ai batté campagne, je m'étais caché. J'étais du FCC. Je ne l'étais pas, je le suis devenu après les élections. Et quand vous battiez campagne, étiez-vous qui? Et je suis fier, j'étais indépendant. Oui. Et je suis fier de l'être. Est-ce que depuis... aujourd'hui, parce que je suis FCC New Look. New Look aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez rencontré Kabila depuis que vous êtes au pouvoir, Non, je ne voudrais pas qu'on parle trop de l'autorité morale ici. Ce n'est pas vraiment très important. Très bien. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre question, c'est la gestion maintenant. Le problème, le constat, est-ce que vous pensez, comme quelqu'un disait, dans un pays, plus on a, entre guillemets, des porteurs de diplômes, des intellectuels, le pays va très mal, ou les pays devraient, en principe, célébrer la bonté, les valeurs, quand on a des hommes bien? Mais on a comme l'impression que plus on a des professeurs, plus on a des enseignants, plus on a des technocrates au sommet de la République, dans la gestion, il y a toujours de quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ce contraste? Non, merci. Tout en respectant ceux qui n'ont pas étudié, je crois que c'est un argument qu'ils développent pour décourager des gens intelligents comme vous pour avancer davantage dans la science. Et si quelqu'un vous dit que le Congo a beaucoup de professeurs, c'est-à-dire qu'il parle de ce qu'il ne connaît pas, il est professeur de la matière pour laquelle il est ignare. Lorsque vous êtes à Boston c'est la capitale mondiale de l'intelligence, parce que c'est là que vous trouvez Harvard, c'est là que vous trouvez MIT, vous verrez que la moyenne des étudiants par prof aussi entre 10 et 20. Donc, chaque prof a une moyenne par rapport à la population estudiantine de 10 à 20. Alors, la République démocratique du Congo a tout au plus 3400 professeurs. Et pour un État qui a 80 millions d'habitants, c'est déficitaire, c'est lacunaire. Et je me demande... qui enseigne dans cette flopée d'universités qu'on rencontre aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Mais le peu de professeurs qu'on trouve dans la gestion, on peut regarder leurs résultats. On a connu des professeurs, présidents de l'Assemblée provinciale, professeurs, présidents du Sénat, professeurs, ministres de tel. Mais à la fin des comptes, il n'y a toujours pas de résultats escomptés. Oui, la maladie chez nous, c'est que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. La gestion s'apprend à l'école. C'est ainsi que Henri Mitzbeek, lorsqu'il était en train de disséquer les organisations, donc dans les organisations, il y a l'État et j'en passais des meilleurs, il présentait une organisation dans les contextes qui nous concernent l'État comme ayant 5 parties. Donc, dans une organisation, il y a les sommets stratégiques
il y a la ligne hiérarchique, il y a le bloc opératoire, il y a la technostructure, il y a la fonction logistique. Donc, on peut avoir des professeurs dans la ligne hiérarchique, comme nous le sommes là. On peut y avoir des professeurs dans la technostructure, c'est ce qu'on appelle les conseillers, mais ce n'est pas les conseillers qui décident. Mais c'est, ce n'est pas les conseillers. C'est grâce aux conseillers qu'on décide. Non, non. Moi, j'ai été conseiller pendant environ 10 ans, donc avant de faire la politique, j'en sais quelque chose. Parce que dans cette cour-là, il y a des courtisans. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que vous dites. La preuve en est que dans vos médias ici, donc on entend toutes sortes de sornettes. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas si vous êtes un conseiller dont les conseils ne sont pas portés? Non, non. Ou ne sont pas considérés? Non, non. Lorsqu'on fait, tu vas t'en souvenir, sauf que je puisse te tutoyer dans le cas de cette émission, parce que tu es mon ami quand même. Il n'y a pas de problème. Tu es mon ami, il ne faut pas m'en vouloir. Et les dieux tout-puissants qui nous a créés tous, nonobstant ses galons. Et c'est son statut de Deus ex machina. Nous les tutoyons chaque jour, il ne se fâche pas. Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème, président. Donc, ce que je voulais dire ici, les gens doivent retenir que même toi, quand tu faisais ton travail de recherche scientifique, il y a une partie qui était dédiée à l'intérêt de la recherche. Il y avait l'intérêt collectif. Il pouvait y avoir l'intérêt universel lorsqu'on est au niveau de la thèse, mais il y a également l'intérêt individuel. Donc, si ce travail-là vous permet de faire avancer les savoirs, vous pouvez rester là-bas pour que la science, de l'expérience. Pour que la science devienne servante de la société. Et ce n'est pas évident que si le chef ne vous a pas écouté aujourd'hui, il ne vous écoutera pas demain. Il faut continuer à persévérer. Donc il faut rester là-bas pour faire avancer. Alors, rentrons les choses, tout en sachant que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Très bien. Alors là, nous parlons maintenant assemblée provinciale. Vous êtes président de l'Assemblée provinciale, ça va faire pratiquement plus d'une année que vous êtes à la tête de cette chambre. Le constat que vous faites quand vous arrivez, vous l'avez vous-même. Mais la population estime que Godin Poï, quand il arrive à l'Assemblée provinciale, on a vu un homme avec un balai en train finalement de nettoyer. Mais puis après, on se pose la question, où est parti les balais? Vous l'avez oublié? Il s'est cassé? Ou finalement, vous êtes aussi tellement familiarisé avec la saleté? Bon, on reste comme ça. Merci beaucoup. Vous m'avez présenté comme quelqu'un ayant dans une certaine mesure une instruction si petite soit-elle. Mais je ne dis pas, je le répéterai plusieurs fois, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai eu un léger avantage dans mon cursus d'avoir fait un peu d'études de gestion. Et je ne l'ai pas fait ici. Alors, pour évaluer un gestionnaire, il y a un critérium. Donc, on n'évalue pas les gestionnaires comme la rue le fait chez nous. Et souvent, la plupart des gens qui critiquent les gestionnaires chez nous, il y a quatre catégories. Il y en a un dont la capacité intellectuelle ne permet pas de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Il y en a qui sont utilisés par les adversaires politiques de ceux qui sont aux affaires. Il y en a qui les font pour turander les gestionnaires. Inventer des choses pour réclamer l'argent après. Et il y en a qui sont juste instrumentalisés par les remplaçants potentiels de ceux qui sont là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire là-bas? Donc, on n'évalue pas la gestion d'un État de manière folklorique. Pour évaluer la gestion de l'État, il y a des critères et ces critères sont scientifiques. Encore faudra-t-il, je voudrais juste ouvrir une parenthèse que je vais refermer, qu'au-delà du manager rationnel, celui qui apprend la gestion à l'école, le management reconnaît les managers empiriques. Il y a les gens qui sont nés avec les sciences de gestion. Avec ces dons de gestion-là. Et c'est généralement les enfants des anciens leaders, des anciens chefs. Et ce que j'ai dit ici, je le disais il y a de cela 20 ans. Ce n'est pas un enfant d'un chef d'État qu'on va expliquer comment on présente les lettres de créance par les ambassadeurs.
Parce que depuis le berceau, il ne voit que depuis le berceau, il ne voyait que ça. C'est comme vos enfants. Je referme cette parenthèse. Leur premier jeu, c'est le livre. J'entends souvent les gens qui ont échoué à l'université dire que non, il n'y a que les enfants de professeurs qui distinguent. Or, si les 3400 professeurs, j'arrondis, parce qu'on est à 3300 quelques avec tout ce qu'il y a eu comme foutitude des morts ces derniers temps, hommage à ces grands scientifiques qui nous ont quittés, vous verrez que si ces 3000 quelques, donc j'arrondis à 400, parce que je n'ai pas les statistiques exactes des cas de décès, il n'y a qu'un seul professeur qui est l'enfant d'un professeur. Et c'est le vrai professeur. Comment ça? Parce qu'il les mérite. Mais les gens qui ont échoué, au lieu de dire à leurs parents que nous étions là, ça n'a pas marché, ils disent qu'il n'y a que les enfants de professeurs qui y distinguent. Le milieu naturel de l'enfant oui. d'un professeur, alors, c'est ce que je voulais expliquer. C'est ce que je voulais expliquer. Que pourquoi on parle de ces manadères empiriques? Moi, j'ai eu un léger avantage d'avoir fait les humanités scientifiques B à l'Athénée Royale de Kalina. Dans notre cours de biologie, en cinquième année des humanités, à son cinquième chapitre, il y avait un chapitre qui était dédié à l'hérédité. Et là, on nous avait fait voir que les caractères étaient héréditaires. Donc, la probabilité pour qu'un enfant ressemble à ses parents est de 3/4. Cela voudrait dire que l'enfant du prof est prédestiné à être professeur, à être intelligent. Et sur le plan même psychologique, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Donc l'enfant ne fait que ce qu'il a vu ses parents faire. L'enfant ne fait que ce qu'il a vu les adultes faire. Et tout ça, il est formaté dans une certaine mesure à le devenir. C'est pour dire que quand l'enfant d'un prof, je ne dis pas que tous les enfants de prof sont forcément intelligents, mais quand l'enfant d'un prof sort de la maternité, les premiers jouets qu'il trouve dans leur maison, ce sont les livres et les ordinateurs. Mais ce qui est différent, comme les enfants des menuisiers, le premier jouet, ce sont les planches, les talons, et bien d'autres. Et il ne faut pas se moquer des menuisiers. Non, ce ne sont pas d'eux. Mais... Nous avons un grand problème dans notre pays. Oui. Notre problème aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas des juristes et des économistes. C'est d'avoir les hommes de métier. Donc nous avons besoin de bons menuisiers, des bons plombiers, mais qui doivent être bien rémunérés. Des bons maçons, des bons... Nous étions sur un projet où on se disait qu'au lieu de continuer à importer les meubles de la Chine, comme nous sommes à côté de la forêt, on devait commencer à les produire sur place. Mais ça, il faut les tests qui ont été organisés, il n'y avait pas de menuisier de qualité. Et ça a été fait par un expatrié. Alors, on revient sur votre constat. Oui, oui. Où est passé le balai? Non, voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Le balai est toujours là. Mais les balais, on l'utilise pour frapper et on l'utilise aussi pour balayer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens, chez nous, nous aimons raconter notre vie. La validation des pouvoirs des députés provinciaux intervient le 7 février 2019. Notre bureau est élu le 11 mars. Le 11 avril, nous élisons le gouverneur, mais le gouvernement provincial n'a été installé que le 25 juin. Ça, tous ces gens-là qui racontent leur vie, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne le savent pas. Alors, notre gouvernement provincial commence le 25 juin. Renseignez-vous jusque à la crise de la coronavirus, chaque fonctionnaire de la ville touchait son salaire à date. Depuis que nous sommes là, vous pouvez vous renseigner. Ce qui n'était jamais arrivé parce que nous avons trouvé des gens qui avaient les 36 mois d'impayement. Et nous n'avons pas la culture de crier sur les toits. Et tu sais ce que ça veut dire? Ce sont les signaux d'une bonne gestion. Alors, mais on a... Jusqu'au mois d'octobre, au mois d'octobre de l'année passée, nous avons réussi à faire doubler les recettes de la DGRK. Et ça, les gens qu'on envoie, parce que vous ne savez pas, les gens qui parlent là, il y en a qu'on envoie par nos adversaires politiques. Il y en a qui n'ont pas la bonne information. Il y en a qui les font croyant qu'ils vont nous faire perdre.
pour qu'on aille leur donner l'argent, on ne donnera l'argent à personne. Mais alors, donc c'est pour vous dire qu'on ne parle pas de la gestion parce qu'on a pris de l'alcool indigène. Pour évaluer la gestion, il y a un critérium. Et moi, là, je ne suis pas seulement principiel, mais je suis factuel. Donc, depuis que nous sommes là, jusqu'à la crise de la coronavirus, vous pouvez le vérifier, c'est vrai, c'était encore les salaires de misère que nous avons trouvés. On travaille sur la question, mais il y a beaucoup de plaintes. Que nous avons trouvées. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, chacun touchait son salaire régulièrement. Alors, parlons de vous aujourd'hui. Ceux qui vous ont élu, est-ce qu'ils se retrouvent en vous? Parce qu'on entend des gens dire, depuis qu'il est député, depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, il a coupé les liens avec sa base. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer votre base? Il y a des gens qui se plaignent en disant que vous n'êtes plus comme avant, vous êtes devenu très occupé, vous avez toujours des raisons, vous n'êtes pas dispo, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder votre base dans les yeux et dire que je suis toujours avec vous? Ils vous suivent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est en contact avec son électorat comme moi. Et d'ailleurs, si les gens vous disent que je suis maintenant occupé, c'est qu'ils ne me connaissent pas. À la DGDA, comme j'ai travaillé avec Dobuza, on devait être au bureau à 6h30. Et quand vous étiez à 6h30, il y a des moments où on quittait à 21h. Mais à l'Assemblée, nous n'avons pas le plénière chaque jour. Donc c'est un peu... Et maintenant, je respire un peu. C'est un prétexte? Non, non. Pour ne pas les rencontrer? Non, non. Je suis en contact permanent avec ma base. Est-ce que les membres du bureau, je veux dire les personnels de l'Assemblée provinciale, est-ce que ces gens sont payés aujourd'hui? Ils n'accusent-ils pas de moi d'impayement? Merci beaucoup. C'est ça encore. Voilà. On aime bien faire les émissions avec toi parce que merci. Tu réfléchis. Merci. Hein? Tu réfléchis, tu n'es pas comme les perroquets. Quand on dit aller insulter Godet, donc ils viennent. Même les perroquets, avant de répéter, je crois qu'ils réfléchissent quand même. Donc, ce n'est pas le président de l'Assemblée provinciale qui paye les personnels, c'est le gouvernement central. Ça fait 7 mois que le gouvernement central n'a pas envoyé de l'argent. Donc, le président de l'Assemblée provinciale n'est pas un magicien. Mais pourquoi on vous attaque, vous? Non, ce sont les gens qu'on envoie. Je connais les jeux et les joueurs. Donc, c'est-à-dire... Tu vois ce qui fait la beauté de la vie, c'est que dans la vie, tu dois avoir quand même les gens qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Mais ils nuisent à votre image en politique. Non, ça ne changera rien. Je suis resté toujours égal à moi-même. Parce que moi, j'ai autre chose à faire valoir au-delà de la popularité. Donc, ce sont des gens qu'on envoie pour mentir. Mais notre population, qui est très éveillée, est en train de comprendre... Donc le président Godet Boy ne bouffe pas seul, il ne mange pas seul comme on veut nous faire croire. Non, d'abord les gens qui vous disent qu'il y a à bouffer, moi je ne sors pas de la rue. Je voulais te faire rire, parmi les groupes là qui inventent des choses contre moi, vous avez vu dans mon église, j'ai chanté pour Dieu. Après, ils ont mis la chanson. Ils ont mixé ça, donc c'est la méchanceté. Ça vous a fait quoi quand vous avez vu cette chanson? Non, d'abord moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, ça, ni chaud ni froid. Pendant que nous parlons avec toi là, ils ont créé un compte Facebook à mon nom. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour arnaquer les gens. Donc, l'histoire-là de bouffer, c'est peut-être pour les gens qui viennent de la rue. Et notre c'est vrai que je suis pauvre, mais je ne sors pas de la rue. Alors, on va évoluer. Donc, je voulais préciser la situation de notre personnel. Donc, c'est le gouvernement qui n'envoie pas l'argent. Et le gouvernement n'envoie pas l'argent parce qu'il en a et qu'il le refuse. Pour ceux qui suivent l'actualité économique de notre pays, c'est depuis le mois de novembre de l'année passée que nous avons des problèmes de finances publiques dans ce pays. Mais malgré cela, il arrive au président que je suis, avec mes collègues du bureau, de nous endetter pour payer ce personnel. Donc, ceux qui sont en train de le faire, c'est par méchanceté, c'est par haine. Et ça sera sans effet au nom de Jésus. On va évoluer, on va évoluer. Oui. Toujours au niveau de l'Assemblée, à l'Assemblée provinciale, l'on dit aussi que le pasteur Godet est conflictuel, il ne pardonne pas, il aime mettre la rigueur là où il faut peut-être un peu de compréhension. Est-ce que vous êtes un rassembleur au niveau de l'Assemblée provinciale ou vous êtes un diviseur, avec l'épée, mais pas avec la carotte?
Bon, c'est vrai que je suis un homme très rigoureux dans ma vie. Je ne suis pas sorti des milieux perturbés. Ça, je dois le reconnaître. Je suis allergique à l'anarchie. Mais je fais un effort pour associer mes collègues députés à la prise de grandes décisions. Donc, vous comprenez, la jalousie est naturelle. Il y en a qui peuvent ne pas aimer tout simplement par jalousie. Mais tous les collègues savent que Godet ne décide pas seul. Mais pourquoi on pense que certaines personnes pensent que vous êtes méchant et rancunier? Bon, vous savez, à Kinshasa, nous avons un problème de vocabulaire. Lorsque vous êtes rigoureux, on dit que vous êtes méchant. Vous savez ce qui tue ce pays. C'est l'indiscipline. Et moi, j'ai développé une petite théorie économique que je suis en train de défendre. Ça s'appelle l'impoïsme. 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 C'est-à-dire impoïsme. Impoïsme. Ah, isme. Isme comme doctrine. D'accord. Et dans cette doctrine-là, je suis de ceux qui pensent que le salut de la République démocratique du Congo passe par trois choses. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Alors, il y a des gens qui pensent que la rigueur, c'est la méchanceté. Non. Donc, on a été un peu déformé par notre environnement, parce que vous le savez que chacun de nous réagit devant les faits sociaux selon les moules sociales d'où il est issu. Et lorsque je quitte l'Athénée Royal de Kalina, je passais toute ma vie aux facultés catholiques de Kinshasa. Aujourd'hui, Université catholique du Congo, et même à l'étranger, j'ai évolué également dans une université catholique, donc avant d'être dans l'université d'État. Cela, ça m'a conditionné, c'est ce qui fait que je suis trop rigoureux. Mais je sais, j'ai étudié quand même un peu les sciences politiques, je sais qu'on ne gère pas les députés comme les fonctionnaires. C'est ce qui fait que cette rigueur-là, Vous l'assouplissez un peu? Non, je ne l'assouplis pas. Mais je fais... J'opère d'une manière à obtenir l'adhésion de la plupart des députés. C'est ce qui n'a pas été le cas avec le cas Moukébaï. Parlons-en. Peut-être on va passer rapidement. Les gens, beaucoup de Congolais m'ont écrit des messages parlant de Moukébaï. On dit que vous avez été trop méchant avec lui. Vous n'avez pas été un bon père, un bon pater familial. Vous n'avez pas été conciliant. Vous l'avez géré directement de façon brutale. Le conflit avec les journalistes, on aurait appris que vous avez fait arrêter, diligenter des enquêtes contre les journalistes. Est-ce qu'on peut se laver cette image dans la population? Bon, chacun, vous savez que chacun, ici à Kinshasa, il entend ce qu'il veut entendre. Oui. Je ne veux pas parler de mon collègue parce que au niveau de l'Assemblée, nous avons levé l'option de ne pas parler des questions de l'Assemblée dans les médias. Okay. Donc je dois prêcher par l'exemple. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que ce qui tue notre pays, c'est l'indiscipline. Et je ne parle pas d'indiscipline seulement dans le sens d'insulter les gens comme c'est maintenant en vogue dans les médias. C'est la discipline managériale, c'est la discipline budgétaire, c'est la discipline. Et vous voyez même quand vous rencontrez les gens avec des ventres ballonnés aujourd'hui, c'est l'indiscipline alimentaire. Alors, donc ce n'est pas à nous d'échanger, c'est aux indisciplinés d'échanger. Par rapport aux journalistes que nous avons traduits en justice, moi-même, je suis de la presse. Oui. C'est ce qui a étonné beaucoup de gens. Je suis dans les médias depuis plus de 20 ans. Et je ne peux en aucun moment chercher à avoir des problèmes avec la presse. Mais il y a quelques amis, je ne parle pas de ces groupes-là. Il y a que ces groupes-là n'a pas de problème. Et même quand vous suivez, vous aurez remarqué que je suis venu confirmer la plainte, mais ce n'est pas moi qui l'avais déposée. Je vous épargne des détails, mais en tant que président, j'assume que nous avons porté plainte contre eux. Ce n'était pas pour les faire arrêter. Ce groupe-là, il y a un groupe de gens qui avaient décidé de mentir sur notre... Nous avons construit un bâtiment au niveau
de l'Assemblée provinciale. Et cet argent que nous avons utilisé pour construire ces bâtiments fait partie des frais de fonctionnement de notre bureau. Donc c'est l'argent que je devais me partager avec mes collègues du bureau. Mais nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas être seuls heureux. Prenons cet argent, affectons ça à la construction. Que vous aurez donné à votre jeune frère. Des bâtiments. Non, vous avez attribué le marché à votre jeune frère. C'est ce que les gens disent aussi. Oui, et ce qui n'est pas vrai, parce que c'est celui qui a construit, ce n'est pas mon jeune frère. Oui. Mais il n'est pas interdit à mon jeune frère de souscrire à. Donc vous nous confirmez que ce n'est pas votre jeune frère. Oui, oui. C'est faux donc. Oui, ce n'est pas mon jeune frère. Okay. Donc ce n'est pas interdit non plus à mon jeune frère de souscrire à. S'il remplit les conditions. C'est ça l'état des droits. Malheureusement, chez nous, on voit les lois là où il ne faut pas voir les lois. Ce sont ceux qui ne connaissent pas qui veulent enseigner. Donc, alors pour dire que quand nous avons traduit ces amis en justice, ce n'était pas de manière revancharde. Ce sont des gens qui avaient levé l'option de mentir systématiquement. Et depuis cette plainte, on dirait que ça s'est calmé là sur la question. Je vais en parler. Les bâtiments, la construction de ces bâtiments-là nous a coûté seulement 390 000 dollars. Je peux arrondir à 375 000. Mais les gens passent à la télé pour dire que c'était 3 millions. Avec des documents, malheureusement. Je peux demander aux amis qui sont sur la toile. Vous verrez que ces documents-là ne portent même pas ma signature. Les documents qu'on brandissait. Oui. 3 millions. Maintenant, quand on est devant les juges, oh non, ils ont des gens. Mais c'est vraiment une fausse, une mauvaise façon d'agir. Bon, vous savez. Avez-vous trouvé un compromis avec eux, les journalistes? Non. Et quand on a, bon c'est vrai, on a eu à parler par personne interposée, nous sommes en train de réfléchir, mais d'après les informations en notre possession, il semble qu'ils ne parlent plus de 3 millions de dollars. Ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Nous verrons. Passons alors à la verrons quelle suite réservée. Passons à une autre question. Affaire. Donc, je voulais dire ici que le pasteur Godet, il est lui-même dans les médias. J'ai beaucoup d'amis dans ces milieux. En aucun moment, je ne peux chercher à nuire à un journaliste. Très bien. Mais je vais aider la presse pour qu'il n'y ait pas de BCRS dans notre presse. Je sais que toi, tu es trop jeune, tu n'as pas connu la BCRS. Lui, il comprend. Mais, à l'époque de Mobutu. Mais l'histoire vous permet de comprendre même quand on est jeune. Vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'étiez même pas né à ce moment-là. À l'époque de Mobutu. Ouais. Donc, tu peux même me tutoyer, tu es mon ami. Donc, parce qu'en fait, quand on se tutoie, ça signifie qu'il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il n'y a pas de problème. Donc, à l'époque de Mobutu, il y avait une brigade spéciale de surveillance. Ouais. Donc, la BCRS, quand elle t'arrêtait, tu pouvais produire toutes les pièces d'identité. Et après, il te pose la question. Toi, tu ne pries pas. Bon, tu dis, j'ai pris. Allez, carte de baptême. Alors, je ne parle pas des amis que nous avons traduits en justice. Oui, mais des autres. Notre presse a des personnes bien que je félicite, que je respecte. Mais il y a 3% dans la presse qui a l'esprit de la BCRS. Donc, il vient sur un plateau de télé. Il dit, Christian Bossembeyo, on a un dossier. Donc, c'est en fait pour que tu l'appelles après pour lui donner l'argent. Et vous n'avez jamais moi fait ça? Moi, je ne fais pas. Non, moi, je suis l'enfant de Kinshasa. Je leur ai dit ceci. Ouais. Ces histoires-là, il faut faire avec les autorités qui sont venues de l'intérieur. Ouais. Donc, moi, je suis l'enfant de Kinshasa. Donc, vous m'avez dit, vous avez un peu de temps. Je suis un peu de temps. Et tu as un peu de temps. Oh, tu as un peu de temps. Donc, c'est-à-dire de la méchanceté. Okay. Je peux te dire. D'accord. Je peux te dire. Je ne défie pas Dieu. Je ne connais pas l'avenir. Mais il y a 3 choses que moi, je ne fais pas dans ma vie. Je ne sais pas comment on vole. Je ne sais pas comment on ment. Depuis que je suis pasteur, je n'ai pas de copine. Et ça va faire peut-être 20 ans. On peut continuer. Ok, on peut continuer. Alors, ce qu'on a un système à baisse, il reste au mot, qui n'en a l'air bon. J'aime ce côté lingala. Ah oui, alors. Et on est. Tout compte dans le lingala, c'est quoi alors? Parce que on a toujours dit ça alors. Ah, mais les gens ont payé, mon ami, nous ne va pas. Alors, tout compte dans le lingala, c'est quoi? Oui. Assemblée provinciale depuis combien de Kinshasa? On va écouter à Batu. On va TV, Molongo et Yagosala Moussala. On a dit Mongo à l'État, et ainsi de suite. Mais depuis, au commis, président et assemblée provinciale. Mbongo à l'État, ils ont mon anaté. DGRK,
tala to komi na niveau ya bakangi moto na katikuna mais bino assemblée provinciale bo interpeller moto te bo benga moto te population qui est ça tout na bino boye. Est-ce que beaucoup qui kobenga ngobila te pona 60 millions de dollars moko azwa ki pona ville ya Kinshasa? Est-ce que vous avez une enquête déjà pour la Kinbopeto? Est-ce que vous avez une enquête pour la Kambouana Nyoso? Vous avez l'assemblée professionnelle les Ali, Nini, la Minito. Merci, ya Christian. Nga ina moutou à balabala, te na kosa ma kamouloko la moutou à balabala. Na émission te na kelasi, pour na ko évaluer, je sois ya moutou, et za na méthode. Na méthode wana, batala ka objectif nini, bo pesa ki ye, moyenne ni pour ça qui est pour à quoi ça va objectif alors on a ça à ma camelo quoi la moto à l'ouengé n'a moto à zodo d'autres mingi à bateau balou à ma camo n'a pas bateau à zodo et puis n'a zone formé ok tozo kanga banganda zodo d'onions n'a ganda bangi on va vivre en gana moni hier l'unité tokanga n'a pas gagné tokanga donc et d'un bateau ok au moni moto à zodo ma camo ou y'a yébité. Pour évaluer la gestion de Moutou, il faut ozala. Otali, est-ce que l'objectif est de ça qui est? Est-ce qu'il y a un coquille ici? Yami Balé, est-ce que le moyen pour atteindre l'objectif est de faire ça qui est? Et là, il y a un management. Il y a un management. Soko yo, pesi, moninga, moussala, ba benga kangona lopoto. Les quatre ressources fondamentales d'une organisation. Ok. Tozali na ressources matérielles, ressources financières, et ressources humaines, pétant. Baninga moussous, balingi bisonyon, soto koma bolole lokola bang. Olimbi sanga yezana nenge ma bete. Donc, ba évalue à kamoutou te karaboy kibouli kibouli, pia! Mutango aloba na kitu ya zododo. Ayebi pe, soko tuni eske na klasu yo tanga. Eske ozwa kuri ya gestion publique. Rien. Ezali kaka ba adversaire politique ya komelie, kendolo babou. Me dossier. Landanga yi. Pesa nga mwata mwke ya kese. Donc, gouvernement na biso ya ya nini ya ya province ya Kinshasa. Bidye na biso ya mbulo yo ezalaki ya 500 millions de dollars. Alors, Nambongo wana, 70% ils allaient kouta na gouvernement central. Gouvernement central y est pas un ami kakatano. Mbongo wana y était, nenge to banda ko zelango. À ce moment-là, mutoyo a yekola mwa mute, nenge bajera kamboka, a go comprendre que non, ce qui objectif faut y salamité. Ezali parce que ma coquille est là, ezala kite. Soko mbongo ezali, il faut tout na yeske bopesa ki e batu. Est-ce que bopesa ki e biloko musala? Est-ce que bopesa ki e temps? Alors, toujours la ndanga yi, limbisa nga yele motuna na eza penza na litoma makasi. Batu bakolo ba makambo bango ba yibite. Na yibisi ok, gouvernement provincial to investir en gros le 25 juin. Le 25 juin. Donc à peu près une année. Voilà. À moins que Batouaz à la montée, mamabe. Bokomo n'a été tant au cas qu'à tout investir le gouvernement à Bissot. Et ça, ça, et ben d'avoir besoin de Bilo Gongelingé. Qui n'est que ce Bilo Gongelingé. Mais tant au tout commis dans le mois d'octobre, peine en novembre, parce que Batou va faire ça qu'à moi, Kanyaka, Bokende, Boko, c'est la Bango Makambo, Bango va réfléchir sa gâte avant Baya. Tout commis dans le mois d'octobre, ti novembre, bamboula moko e beta na mboko yo, nanu tomona yangote. Service ya météo, elobete bamboula o e beti sansami bale oyo, ma e bwaki na kati na Kinshasa za quantité ya ma yo to banda ko zela pendant une année. C'est ce qui fait que bamisala nyonso to salaki, ya assainissement, ya ki ko beba. Et ce ko landi bien, bato bazali ko landa mwa ekonomi na yamboka na biso, au Comona été c'est la même période à partir du mois de décembre des sucres et comme tatal bah tu vas causer le gouvernement n'abissa ya ilukamba na président de la république au peuple n'abissa ko benga fati beton que bangonde bazaki à la base te kozanga koyeba sukali euta kana kulungongo na bilanga sukali soki mule bete bele sukali diminuaka na kati en cité donc on connaît pas demander
Donc l'ignorance, c'est le mission automatique. Et là, quand on a voyé, on ne connaît pas demander. À demander. Bongo moke ya ya limisa nga ina ndenge mabete nga na zana nga mayelete me buzo bandele kina gisasa donc na mois d'octobre wana epanzi misala nyonso tosala ki bato bazali na conscience bayebi ke mwana mobala ko bawa kamasolo tokomi na mois ya décembre pendant que tozo banda pona ko assainir ville. Gouvernement central est résilié contrat naba ONG banda ko nettoyer ville ya Kinshasa sans koyé bisabiso ndé o monaki na mois de décembre moni ba immondice et bandé be comme banda ko zonga mais ezaki bisoté era gouvernement central mais bolobaté non comment les gens feront mais le retour vous vous nazolo babo parce que toi la sorte de cloche moko nazolo babo nazolo babo on a ça nazolo babo. Bino Bozali, ba journaliste, ce qu'on y a qui information, il faut au Luka, au Yakotuna na source. Mais Bino, yote. Mon groupe Ababé, c'est reste parce que système n'a pas encore gardé. Donc, yé et logo yé, donc, logo la yé, l'ingaté, en cas de l'ingaté. Ce qu'on y a l'ingaté, ba tout trois, ba l'ingaté na place là. Donc, en fait, c'est ça, Bouzoba. Mbok et Tambou la gana moua, maïele na moutou. Yango mouna gana Japon. Bazana cuivre te, bazana or te, bazana diamant te, mais ba défi sa ka ba américain bon, parce que mi tout. Donc, tango, ou moni gouvernement central la, katia résilié contre Mbalamoko. Or, batoubaye bakate, vila ki sa sa, mokolona, mokolon zambasala, ezali kobota 9000 tonnes ya déchets chaque jour. 9000 tonnes par jour. Par jour. Et ponako traité, ponako longola, tonne moko, ezako senga biso $30 par jour. Ce qu'on dit $30 fois 9 000, chaque jour il faut vivre à Kinshasa et disponibiliser $270 000 pour nous faire un sort. Nous n'appelons ça comme bon ou en bon. Soit de comprendre bien, il faut $270 000 par chaque jour, pour nous nettoyer. Donc, on est allé pour nous enlever. Pour enlever quelqu'un. Mais au moins, on a dit que pour améliorer son ordre, pour me passer moins $200, tu n'as pas fini à goder. Mais le gouvernement, il faut que ça soit bon. La Nangaï. Oui. Non, gouvernement... provincial. Non, non. C'est ça le problème. Expliquez les Congolais, oui. Donc, Nabidé, il y a ville à Kinshasa. Il y a $500 millions. Wana. 70% est où tu as le gouvernement central. Gouvernement central, Nabisso. Oui, au président, Nabisso Fati Béton. Azana Moutou. Dans le gouvernement, il y a une coalition. Oui, il y a Ilunga Ilukamba. Basu pouvoir na eleko oyo situation financière ya mboka ya malamute ezate que président ou bien gouvernement de bazali ko gérer mabete mbongo ya Congo ebutaka soko métaux rouge lokola cuivre cobalt et matital sur la place internationale natango président Nabiso Fati azako zo bokonzi na ye. Qui n'a pas eu le gouvernement en mois d'août, la coalition FCC Cash, qui a eu l'autorité morale. Le cola n'est pas un biseau qui a été arrêté, mais il n'y a pas eu le cola. Dans la même période, pendant que la passation pacifique a pouvoir de Salama, la guerre commerciale est là qui entre Chine et les États-Unis. Tout le monde sait. Ah, tout le monde connaît. On se comprend. Non, mais ceux qui ont eu le cola, ils n'ont pas eu le cola. Donc, président Fati a eu le pouvoir na eleko oyo guerre commerciale ezali entre Chine na États-Unis. Bato ba yebe économie ya monde ndenge za kotambola, Chine azali ko contrôler 17,3% ya PIB mondial. PIB likoloba production ya monde mobimba. Biloko nyonso za kotambola na monde mobimba par ya Chine. Na production ya bankitawana ezali 17,3. Chine azali ko contrôler 8% importation mondiale, 12% ya exportation mondiale et Chine azali ko somba ba matière première entre 40 et 50% ya matière première non sur ya mokili. Chine muta somba kango parce que bazali na modèle économique o babenga na lopoto un modèle énergivore.
et ça qu'on a des ressources naturelles. Alors, Nathan au Chine, à côté qu'à les États-Unis. Parce que quand on a été à il y a moins malade, à ce moment où il y a des gens qui sont et produire que les candidats vont nous causer les alités. Et ma conséquence? Conséquence, c'est ça que Chine a consommé les sous-sous, ma matière première à Congo tenait à Mandos. Donc, bino vous avez bon côté. Bino vous avez bon côté. On se met dans une bon côté assemblée pour vous. Savez, vous foutez 70% en athée. Et vous y a pété. Voilà. Entre temps, Michel a pété. Parce que Nazoka, Batubazo, Lobao, coalition, Nino, passation pacifique à pouvoir en go passe. Non. Au moins, situation, modèle économique, Nabiso, Babelge, Batika. Nene toza lelo, ata ozui Christine Lagarde oche na présidence, ozui Dominique Strauss-Kahn oche na primature, ozui Trump oche na kingagati place autorité morale à Saraga. Il n'y aura aucun miracle. Donc, c'est le problème est un paradigme, mes amis. Oui. Donc, c'est ce modèle-là qu'il faut changer maintenant. Okay. Nazako explique ma cambo moïna moi poto kanamala. Donc, biso tozali ko landela. Nalobi, octobre, novembre, pluie du Louvier et Boukignonso. Décembre, gouvernement central a résilié contre Naba ONG au Babanda Okomba Villa Kishasa. Makambo ya guerre commerciale entre Chine na États-Unis. Et celle qui est moyen mon solo, et quand tu as Benga l'État, tango fati beto aye, ezate. C'est ce qui fait que. Quantité on a to banda causé la 70% et koya eza koya sous na ndenge to banda causé langote bon 30% la casse pour ça l'andanga yé non 30% ils allient à recette ou production ya ville oui bon ça non ndé place na za okene OK na janvier na yebisho que ti na crise à coronavirus biso objectif na biso ya liboso ezaki ko bongisa bana kisasa. To komi to kuti ba to bazali na ba un paiement ya ba 36 mois. Tango to komi na octobre recette ya DGK est doublé. To lobi mon solo to za kozwa. To bandana nuko futa bato. C'est vrai que ba ninga na biso ya DGK ba silekela biso mo muke. Parce que bango balinga ki ke to zo mon solo ngo to ba kisela bango ka bango mongo salaire. To bisa bango kete to yebi bino ba je kamina biso. Mais la justice, tant que nous allons diriger, il faut qu'on canisse à c'est pourquoi, tant que nous allons en priorité, nous allons nous battre pour que nous allons nous battre à Bango. Et c'est ce qui fait que première réalisation de Nabiso, nous allons un salaire na ye salaire. Chaque mois, mais faut bon dimanche, Baninga. Très bien. Alors, pourquoi nous bon dimanche, Batouté? Tout évolue. T'es dans l'oïboï. Pourquoi nous bon dimanche, Batouté? Tout évolue. Il y en a eu ça. Et l'engue, ça, on a depuis. Babeta t'a pas ou anat. Au moins, on a un zolo, bah, ce que le bien, on a l'engue, ça, au bêta. Mais la réalisation. La réalisation. Réalisation, elle est bosso. Régularité à salaire. Donc, on a donc souk. Deuxième réalisation. Dans aucun cas. Na moi espace kaka ya moi mouke ya 3 mois na tina mars. Hein? Elenge sa yangwa nezo tambola. Yo tambola kana kisa sa. Oui, ke no mona nini mon gala na gombe ndenge koma? Est-ce que vous avez couru la spoliation ba site agricole? Na za wana na za ki na terrain. OK. Awa na zo ebisa yo. Dossier to tindi yango na ville, ville essaie comme lingai basi ba pesa instruction. Difficulté za ke il y avait déjà un jugement na Sitwana, mais tant que toqué na ministère des affaires foncières, bah yebisi biso ke arrêté oyo balanda ki pona ko sa le jugement arrêté en etikala ko zalate awa tozolo ba ville bandi déjà procédure judiciaire pour être ba maman ya ngwele ba s'en sortir ba zongele sikala ba balobi boye ouais. Godin Poyi ya komi muninga ya Abedachou. Godin Poyi basombie na ba Libanais, basombie na ba Indo Pakistanais. Godin Poyi amoni ba mama o ya Zando, bazangi place koteka. Godin Poyi mwana na bango asali yo kote. Que dit Godin Poyi na accusation modèle wana? Merci beaucoup Zamba Pambula. Yo kama tumoli. Abedachou za moninga na ngati. Abedachou azali moninga ya leki na ngai, tope mwana na ngai. Honorable Junior Nemalema.
collègue non. Oui, ce collègue n'a moussala, mais n'a parlé à Petit Nanga. Il m'a bien. Je salue l'honorable junior et avec sa femme Tatiana. Ouais. Donc, aucun rapport. Batoyo, n'a pas dit que Batamatolo, Makan Sagengana Tolo, la Batro, la Bango. Nazolo, on a TV. Moi, je ne suis pas un mendiant. Va demander au gouverneur de quoi que depuis ngai na yeto banda boulot na 50 000 francs. Ce que je dis là, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Na muta matolo te na boka mande ngwana ke. Soko la ni même de quoi na bazolo ba Abed Achour, a quoi biso que président muta matolo te. Donc la... contrairement ya bato et puis je veux parce que bon tout moulanga. Moi je suis consultant aux Nations Unies. Vous pensez que je peux trembler vraiment devant un opérateur économique? Non, mais ils vous prennent d'ailleurs, ils paraissent très bâtiments de la poche. Non, non les gens Batouana. Pour la Batouana, n'y a pas de bande politique. J'ai tenu des réunions économiques au Qatar, à Doha. À mes côtés, il y avait Tabombeki et Sam Mujoma. Vous comprenez? Ça, on comprend bien, mais est-ce que vous avez des rapports avec Abed Achour? Non, aucun rapport. Le seul rapport qu'on a eu, contact qu'on a eu, c'est que tant que Tobana Olingato, Sombami Touka, il y a des gens qui ont des conditions à Malam. Il paraît très bien en contact avec Mme Mouté, tu as un député Mouan Abid dans le but qui est député. Je vais te dire que tout ce qui a été fait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été fait selon les règles de l'art. Si quelqu'un te dit le contraire, avant Koufa Botoube le Panzan. Est-ce que. Donc, je voulais préciser cette histoire-là. Au moins, Batou, Tokoti, Naza Mobora ya solo, mais Tokoti a la politique n'a pas porte mon côté. Donc, avant la côte politique, Naïbaki. Bah, bureau des Nations Unies. N'ayez pas que moi, est-ce que aussi vous salez, est-ce que ce salaire déjà bah, libanais, là, bah, pakistanais, bah, faveur. Ce n'est pas dans mon étude, dans mes habitudes. C'est-à-dire, d'abord, mais na douane, na zalaki, conseiller directeur général, bah, opérateur économique, nion sosérié, mboko bah, yebingai, bah, quoi, c'est que Godet ne monnaie rien dans sa vie. Pour nous, nous avons un macambo à Zando. Il y a grand marché. Ce qu'on a quitté à Zando, on a attendu beaucoup de Zikaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous expliquez aux Congolais, Namaye Lozanango, où ils s'habitent exactement les cambois à Zando, Nini, et tout comme il y a un niveau Nini? Les cambois à Zando, les Zaboy. Ok. Zando, on a vu ce Zali Monsoto Makasi. Tous Zali n'a pas ça, il y a qu'on modernise Zando, Nabiso. Mais, tu y a qui coûte à un obstacle, moi, ils allaient dans le contrat, il y a Bakonzio et Liboso depuis 2004. Basignaka, tant que nous sommes en politique. Alors, il fallait maintenant que nous nous vider le contrat avant y a le bandage de la modernisation. Nous déplacons Makelele et Kobimawana. Puis, toyebi qui tire les ficelles. Zando. Tozali koloba to bomisa yango. Awa tozali koloba na niveau ya assemblée na biso to sala ki commission munene puis eleka na plénière. To senga na exécutif bavanda na mutu azaki na contrat kala. Soki ko bongisa ba bongisi soki ko yoka nezali te ba résilier contrat mais en respectant les normes. Contrairement ya ba moi, ma kele le baza ko loba wana baza ko tanga kombo ale ki nanga yo ya Abed Achour. Je m'excuse ya ko cité kombo na ina éducation nanga na tanga kombo bat na média te. Et là il va ça il va ça tout de suite on cite leur nom hein. Non, c'est la rue. Là, ouais. Donc les gens veulent que nous tous nous devenions les hommes de la rue comme eux. Mais na sang on a ki makambo wana. Na sengi hôtel de ville expliquer ngai dossier ezali ndenge nini. Tu vas présenter un hôtel de ville pour reconstruire le marché. Et le groupe Moko est français. Ça n'a rien à voir avec les Libanais, comme on l'a dit. Donc, au moins, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit ça. J'ai le même train de vie depuis 50 ans. Donc, je suis dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Godet. Godet n'est pas un mendiant. Je l'ai dit à la télé, il faut que tu bien. Est-ce que c'est ça? Oui. Là, oui. Oui, il y a un conflit et belé au Boza qui est dans la province entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Parce que tu as un peu de monde. Il y a 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 un peu de monde. Non, c'est-à-dire que parmi le président et le gouverneur,
na lobi na ba député. Je comprends. Mais est-ce que mais ngai avantage na ngai na jeraka ba passe na ngai ngai moko. Pe na jeraka bisengo na nganga moko. Soki na zangi na ko préférer na benga yo. Okokuta nga jamais na bengi gouverneur na lobi ka belanga yi. Alors, vous donnez pour eux aussi, c'est Michel Abisso. Oui. Quelqu'un a deux ou trois petites questions pour la police. Ah, mais il faut ça dans le deuxième épisode. Alors, docilicité. Donc, là, c'est quoi? Au comprendre. Au comprendre, dans la question de Bajera Kamboka. Donc, gouvernement, ils ont investi le 25 juin. L'ongola 4 mois à Corona, il y a eu l'exception. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait au commun qui est fort réseau salama. Alors tout ce qu'on a dans la province, tout ce qui est dans la province, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, parce que cause il y a l'UAE comme qui est. Mais l'Assemblée provinciale est interpellée, le gouverneur T. Alors, tout dans le lobby, est-ce que l'amitié à Godem Poina, gouverneur, est-ce qu'elle est quelle est la tribune de réflexion avec ça la tête? Toutes les intelligences que tu nous donnais, les lots, on a action, on a action, on va dire, on a le colonne, on a une révélation, on a et ça, c'est plein qui n'a. Mais puis, depuis un certain temps, pouf, on a sous ma calate, on a sous accusé, alors que le détournement est fait toujours. Non, on a ma calate parce que on a sous ma calate. Ah, d'accord. On a sous ma détail. Le problème, c'est que. Il y a des gens parmi nous qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Nazo zonga na likambo ya ministre Doli. Ministre Doli likama yenga nazaki na poto. J'ai dit écourter mon séjour. Nazongi kozonga nazongi na kuti justice asa kangi. Yo za juriste. Ce qui justice asa se saisir na dossier, les autres institutions sont neutralisées. Donc bat balingi to koma to sala buzo ba lobola. Non, il faut respecter la justice. Il faut respecter la justice. Par rapport à Doli Makamba. Oui. Pour rapport à Kongobila. La relation est binou. Et lesquelles les gestions, toi, ils ont. Non, mais jusque-là, na moyen à Zanango, à Zo justifier Misala, à Zo Sala. Na kobota ba problème, pour na kobota ba problème. Misala, moi, la Nangaï. Tu es là pour poser une question. On va tout s'y dire. Tout le baboué. Mboka na yo Kinshasa, Oyoza numéro 1, le premier élu, il y a ville et d'ailleurs, il y a gouverneur Kouzouté, premier élu et d'ailleurs. Mboka est dans la maïté, Mboka est dans la courante, Mboka est dans la misalaté, ba citoyen na yo, ba to ba irakio, ba zo vivre dans la condition mboka ya malamu mingite, ba rigole et dans la curete, ba poubelle un peu partout. Congolais moko ya Kinshasa wa tangi mingite, a tout ni moutou na lobi boye. Tina ya Godem Poyeza nini voilà. Tangu lukana nyoswe zali bongo. Yebisa yebongo. Atanga la constitution na biso. Tozali na makambo etali gouvernement central. Makambo akoloka kobongisa condition ya via bato. Za gouvernement central. Mais biso na kotanga nyoswe tozana ngote tozana makambo na biso misato ezali ko otala biso mingi. Ezali assainissement ya ville, ezali ba route secondaire, ezali ko créer cadre au ezali ko permettre ba affaire de salama malamu na kisasa. Nyoso ne sale matin. Landa. Landa wa moté wa mabé. Avant pembe na yo où il est zaka boité. Toza ko longola ngo, c'est pourquoi il faut qu'on félicite même ba député na biso ya ville ya kisasa, ba député provincial na biso. Tondima tozwa ka emolima na biso ndambu. Toti kakanda mo mususu po exécutif a zo moyen ya kokomba Kinshasa. Bon ata o zone limité. Na ebiso ke po na kokomba Kinshasa chaque jour il faut $270,000. Oto za na ngote. Mais ozo mona quand même que fort réseau salama. Problème ya batu, bazo e batte que soki balongoli poubelle lelo na tongo, batu bakoya lobi bakobakisa. Soko tali bien ba poubelle ezali susu ndenge banda ko sala kalate. Loba oza moté mama be parce que même ba mikonzo biso to remplacer ya kala. Bah ça la biso remarque mon balobi mais n'attend mon que bosser ma cambo belé mais bozo lo belangote na pe ça je vous dis na c'est ça na vandi que mon beau père m'excuse, il est professeur depuis plus de 40 ans et il est dans des jurys de thèse à l'université de Gand en Belgique, en Allemagne et consort. Namoni mon kolomo ko ali misanga vraiment, donc chez nous les beaux pères sacrés, mais je l'aime beaucoup, je le prends comme mon père. C'était un ancien ministre. Azotin de langa moi vidéo moko hotel Lubumbashi. Batier ba tunnel désinfectant. Il me dit papa pourquoi vous ne pouvez pas faire ça à Kinshasa. J'ai dit mais papa vous êtes en retard.
Oh, yazali collaborateur nangayo avant de goûter one. Na entrée assemblée provinciale. Mais nous avons les tunnels désinfectants. Problème na biso c'est que biso to ligni ma mosale le ka maloba na ibele. Mais pour ça on a côté mon côté. Non, mais exactement. Mon soto est dans Kinshasa. Non, la ndengo zawana yo ofuta ki pa ndengo zawana. Na semaine na yo ofuta ki pa. Problème c'est que batu bazolo ba mafuta na bango pa. Mais faites l'effort. La ndaboye. Soko moni vilo ezana eta o ezali. Oyebi mais autre. Donc posez ma question. Vous comprenez. Donc yé amut moba bien mais à cause c'est pas la chumbo la carte. Tu dis question bonga Snell. Oh, il va détourner faire les mana Snell assemblée provinciale à zone va te pour nani. Il y a Snell. Snell. Mais Snell les sociétés commerciales et à l'état central, les a vu les chassaté. Bon, il y a bisa mutwana, il faut abandonner la classe. Donc et puis et logo yo salanga passi. Na mona ba tumusu bo le kisa bo yo analyste na TV. Asuka na premier graduate. Ah quoi, asa analyste na nini? Il y a bisa mutwana bo. Te godé à lobby depuis le 7 juillet 2008. L'entreprise publique au Ezaki na Mobeko ya 1978 ba transforma yango to koma na 20 sociétés commerciales, 20 établissements publics et 5 services publics. Donc ce n'est les a ya ville te ya l'état. On dit que ba congolais belé ba connaît pas demandé. Donc c'est de l'embrouille mini. Ba lobby du dossier ya déjà dossier ya Jekoko. Ouais. Na dossier Ngobila. Bon, dossier Ngobila, éclaircir le Jekoko ba lobby, pourquoi besoin d'interpeller. Mais pourquoi autonité nini maman ou bakangia de Jerka. Justement, tu ne dis pas de non, c'est-à-dire que Bisho, tango maman wana zali na musala, ngayo na tinda démission. Bah, il y a un ma camion se zali malam. Na lokuta ya bato bayaga boyo bayaga ko lek satan na bango ba fongola ba biro na bango na ba plateau a télé. Ba ibisa ka bino ke lek na ngayo ya beda shura za ki na nyongwa ville biso bato za ko protéger. Lokuta ngai nde na initial mission ba na yeba e lokoni ne za ko leka. To komana to kuta jugement et salama avant ko biso to za la ba député. O bazolo ba ke société na za ka na nyongwa l'état. Alors na zo komana le solo ya ya honorable Jekoko, nazo bandana nuko présenter excuse na ba mama nyoso a Congo na oye le kanaki. Mais tozali embarrassé. Parce que ngayi na moi éducation mouke na zanango na kota la ba image ya obscente, mais ba service nanga balandi yango, mais ba yebi singa kwe ke mama ango aleki ya lobi ke yé moko a salaki makambwana na moté mangaye. Yo za juriste. Quelle est la conséquence qu'il faut tirer? Mais c'est elle qu'on va qu'on va. Donc, batwalini, biso no stoko wala zoba, te, kongwe zaka ya babolole te. Na lobi te kenga na zama yé. Donc, l'état des droits et lobby, il faut qu'on respecte Mobeko. Mais quand cela ne tienne, tout ça, on a procédé, lobby s'est initié na niveau assemblée, ils allaient en cours. Il faut, ngayi na zo senga ba mama na biso. Pardon, Nao et Salamaki. Pardon, Mingi Boli, Misabiso, ba papa. Mais, tout ça, la procédure, Nabiso, tout ça, l'anda. Mais pendant tout ça, la procédure, Moutouana a lobby qui est, Batinda Naïte, Namoko. Yo, ça, j'ai dit, il faut expliquer. Du coup, ça fait tomber. Yami Balé. Batou Balé, Misson, c'est quoi, Bazo Baté? Congo, ça, c'est quoi, Bazo Baté? Congo, ça, Batou, Batou, le quoi, Babino Bozali. Merci. Il faut pas expliquer, Bama Kamboa. Donc, on a vu que les journalistes ont même été. Hein? Moi, je suis un PC, je suis un Zabra. Non! Yo, toi, tu es un Grégoire. Merci beaucoup. Ils verront de vous. Moutou, il faut expliquer à Batouane. Bissot, le même jour, Makambwana et Bimaki, Ngana Benga honorable chez Coco, na Benga Batoua Biro, tu as une procédure. Mais pendant que tu as une procédure, maman a dit que tu es un Grégoire. Aux juristes. Et là, tu as mis balé. Ba maman, merci, na la nek bino na TV. Bo se nyinga ina longo la immunité ya Jekoko. Et loko eza ko salanga gode, je ne fais rien qui ne soit dans la loi dans ma vie. Même devant un fusil. Moi, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Ba toi, non, mon agabaye, oh non, a interpellé Ngobila. Eza ba tu bakende ko se nga yembongo. Moko la pesi bango. Bakoleka na TVT. Mokola pesite ba Mokola pesite ba leki ba tchako mwananga na kati. Nga moko kolo gouverneur na senga ke mbongo te. Bino na di senga na bino. Botamu la nzela na bino botika ngay. Nga ina kozwa problem na Ngobila mokolo. Akozala na mbongo abongisi kisa satende na kozwa ba problem na ye.
Et ça, c'est être juste en réalité. Oui, moi, on ne manipule pas, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous répondez aussi à ces moments-là? Alors, na ba maman, ba sengengai ke na longola immunité à Jekoko. Et ça, ma ramenwanate. Ce n'est pas au maman de me demander à Kolongola immunité. C'est le procureur qui doit le faire. Après, tant que ça la terre, on va salir rien. Donc, on va dire que tout le monde est au moins, non-respect à texte n'est la liste beaucoup. Donc, pour que le président de l'Assemblée provinciale a engagé procédure et a levé à immunité, ce n'est pas un prophète qui doit crier dans son église. Ce ne sont pas les gens qui doivent crier au stade. C'est le procureur qui doit les saisir. Or, je n'ai pas été saisi dans ce sens. Et même quand je suis saisi, il faut, pendant les vacances, il faut que j'organise un vote au niveau du bureau. Donc, il faut battre. Tout ça, là, moi, est fort. Nalobite Kengana Lekibino. Mais Tokoma Batou. Nous attendons le deuxième numéro. Tokoma Batou. Pour que tu expliques à mon monsieur. Mais attends, besoin d'y mater au moins que Boulez au salon. Ah, très sans bien. Moyen. Deuxième. On va terminer. C'est vrai que Tokoma a déjà. Oui, bien. Tu as mis un épisode de Bélé. Tu as lavé ses voix. Il faut nettoyer, c'est très important. Mais avant de terminer. Oui. Parce que au moins, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Et puis, il y a un peu de temps. Comment il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Bon, est-ce que vous allez avoir un peu de temps? Mais il fallait quand même Olumbanga il était en azo kota na mono tinga ka boy. C'est pas le président quand même. Ça c'est un professionnel numéro 1. Non. C'est-à-dire bana kin bana Congo ngai wa bino golden boy. Moto ko sa te goda yi bate goda ko sa te goda sa ko bote. Très bien. To zali ko sala musala ko landisa moyen oyo l'état azo pesa biso. Mais l'état azo pesa moyen moke ezate ka boy. Parce qu'il n'y a pas un passé. Depuis la guerre commerciale entre Chine et États-Unis, Mosolo, Waleta, et Komi Mouké na Congo. Batoubalo Biboudé, on termine par rapport à cette question-là. Batoubalo Biboudé, toutes nos questions sont goût vestimentaire. Batoubalo Biboudé, parce qu'il y a un goût de couleur. Mais, tu vois, il y a un goût de couleur. Il y a un goût de couleur. Que ma gambo est banale loté. Donc, moi je me contente de mes avantages, les goyens pour bas. Très bien. Mouton ko sa loté, donc yagou na ngaï. Et puis il faut yébisa batouana ke, na constitué au Congo, na yoka rabatoum sous ma lobby, mon cousin coach ma couleur à boite. Autant qu'on a beaucoup ni, na constitution ni, na loi ni. Babio l'équipe a ou l'exibe à couleur. Il n'y a pas de loi qui fixe les couleurs des autorités. Mais il y a l'esthétique. Le goût de l'esthétique. Non, c'est-à-dire, les problèmes chez nous, c'est que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Ce qu'on a dans Sénégal, Babdou Douf, Baboubou et ma couleur, mais moi, je suis en blabie. Ah bon, là, t'as un noir. Dollar est commis à 20, dollar est à 20, Babi est commis à 2023, c'est commis à 2023, Félix Fatik a mandat parce que il va dire à 20-10. Est-ce que c'est normal et qu'il y ait une bêtise 20, tout le monde a moyen de faire ça pour que je quitte ça. Pourquoi il y a une bêtise? Oli Bissanga, il y a une bêtise et l'Oguana. Il y a une façon de classe. Mais il y a un professeur, il y a combien on a fait dans la page de Facebook? Un professeur. Bon, il y a une discipline parce que ma belle, ça n'est pas. Économiste? Enfin, là, ça devient grave. Hein. Candidat président de la République? Non, s'il vous plaît, je ne veux pas. D'accord. Donc, le problème, c'est que monnaie Yamboka. Et à la expression, il y a richesse, il y a beaucoup. Dans la crise du coronavirus, l'économie est en Zazili, il y a des gens qui ont été monnaie dans le pays. Il y a des gens qui ont été dévalués, ils ont été faux, il y a un président Fatih faux. Donc, ils nous mentent. Ah oui, ils veulent nous manipuler. Non, c'est de la manipulation. Soit ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas parce que vous allez économiste que vous voyez ma cambounion sur la monnaie. Donc, monnaie congolaise, et ça, là, il y a trois facteurs perturbateurs. Donc, il y a une monnaie à Congo, depuis les bandes, et ça, il y a quoi sur le corps, et ça, il y a un environnement économique. Il y a mis les problèmes monétaires, il y a mis ça, le problème à balance à paiement. Donc, on a autant expliqué que l'environnement économique, où ils sont extravertis, ce qui est quand même un boulot sur le plan mondial, il y a une devise. Et qui tient la quantité et cause la répercussion sur la valeur de la monnaie. Donc il faut changer le paradigme. C'est un problème structurel, ça n'a rien à voir avec Fatih. Très bien. Ça n'a rien à voir avec la coalition FCC-Cash. Deuxième problème, facteur perturbateur de la monnaie Nabiso, c'est que Nambo Kanabiso s'est développé ce qu'on appelle l'économie sous-traîne. Donc, au Babengaga vulgairement, économie informelle.
d'une manière telle que ma devise est belée, et j'allais entre ma boko à Bakambiste. Donc, Banque centrale, la zana maîtrise la masse monétaire, non, soya Congote. C'est ce qui alimente aussi l'inflation. Et troisième facteur perturbateur, les alliés comme la balance des paiements en abysso, la crise à coronavirus, la guerre commerciale entre Chine et États-Unis, balance des paiements en abysso, les alliés déficitaires. Donc, ce qui est le corona ici, j'ai commis un bagnot de tin de Vous avez appris beaucoup de choses, moi aussi. Et oui, mais malgré cela, dans le but de la légume, tout, autre bagnot, ça a été chaleur de communication. Premier épisode, et puis il faut y aller. Donc, moi, je suis un peu salaire, je n'ai pas eu aucun date. Ce que je suis attendu au fin de la TV, c'est la macam. Je suis TV, les gars. Et puis, je suis un argument. Ok, il faut y aller. 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 Il yo. Kinois, je vous aime beaucoup. Kinois et Kinois, je vous aime beaucoup. Je vous fais trop de bisous. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. On a passé. Rolanda Bisso. Trop de bisous. Ouais, on a passé là, Ozana Motuna. Yako Tuna Likola Assemblée. Yaka Nabiro Nangana Yamara Moutunoso. Au pire, Massa Nangana Nazabou. Sauf mon ingate Zoye. Bon, mon angaï. Ça sera un grand honneur. Alors, donc, posez des questions pour la prochaine, prochain numéro. L'avantage avec le pasteur Godet, le président de l'Assemblée provinciale, elle a très ouvert. Donc, comme question, à Tangi Penabison et Longo, est au préparé émission Mokona. Il est temps de vider les débats politiques pour faire des débats de société, des débats de développement. Il faut que nous ayons un peu de temps. Au moins, il faut que nous ayons un peu de temps. Il faut aller un peu plus loin. Il faut que nous ayons un peu de temps. Au moins, il faut que nous ayons un peu de temps. Il faut que nous ayons un peu de temps. Et c'est le président Fatih. Au cours, il faut que nous ayons la classe. Au temps, il faut que nous ayons un livre. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse. Je bénis les Congo. Je bénis les FCC. Je bénis les Cash. Je bénis la Mouka. Et je bénis les non-inscrits. Voilà. Ah, je bénis aussi Congo Bez. Ah, voilà. Là, c'est l'avantage. Là, on gratte ça. Mais yo, Benza, yo, faut qu'on me cause dans mon coin. Ah, Amaele. Amaele, faut tout éliminer par Mikonza Chombolo. Donc, yo, faut qu'on appelle ça, donc, prêtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maman Marte, Nde! Maman Marte, Nde! Balobi Shop, Africa Union! Mais toi, t'es un gnosso! Bilo, y'a un gnosso congolais! On y dit, mais on a yo! A ça, il s'a yo! Bon, la Corée, la 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 yo! Balobi Bio! Bio, Africa Union! Et toi, t'es un gnosso! Tout à l'heure, on a pas si moi! Sinon, on y a pas, on y a dit! Noye Mali, noye Bolonde Nelalisa.